Rachel Demeo et je suis ici avec Annabelle. Bonjour. Some of you from my online class had very specific questions, so I have your questions here and I'm going to ask Annabelle the questions. Alors, première question, bonjour, ça va? Bonjour, bah, ça va très bien et toi? Ça va bien, merci. Alors, many people from the US think that French people are rude to Americans. Did you know this stereotype? Est-ce que tu connaissais le stéréotype d'être mal poli? On m'en a déjà parlé quand je suis arrivée aux États-Unis. Après, je pense pas que ce soit, je pense pas que ce soit vrai. Je pense qu'au contraire, quand un Américain vient en France, les Français sont super excités de les rencontrer. Ils sont plutôt « Oh là là, un Américain !» Ils sont plus enthousiastes que... C'est vrai. C'est vrai. Alors, il y a une question sur... alors, je lis la question. Qu'avez-vous fait pour le divertissement en grandissant? Ce que j'ai fait pendant mon enfance, j'ai fait beaucoup de sport, beaucoup d'activités d'extérieur. En France, on aime bien sortir, voir du monde, le cinéma. Les parcs, donc je dirais oui, plutôt vie sociale à l'extérieur, près de la nature. Et où allez-vous en vacances habituellement? Habituellement, depuis que je suis petite, je vais en Espagne avec mes grands-parents qui vivent 9 mois de l'année. J'ai voyagé un peu partout en Europe, en Grèce, en Allemagne, en Suisse, en Italie, au Royaume-Uni. Je vais aussi beaucoup voir ma sœur qui habite à Paris. Et puis mes cousins qui habitent dans le sud de la France. D'accord. Et justement, il y a une question, quelqu'un qui veut savoir d'où tu viens. D'où je viens? Je viens de l'ouest de la France, sud-Bretagne, Guérande, bien le sel, de Rachel. oui, donc c'est une petite ville, pas beaucoup d'habitants, mais tout le monde se connaît, c'est assez familial. Donc, alors, notre question des différences entre les deux pays. How is America different from the country you are from? Je dirais que c'est plus dans le côté culturel, le côté comment on s'exprime avec les autres, comment on interact, comment est-ce qu'on s'exprime. Par exemple, on se fait la bise, on fait pas de hug. Je dirais aussi la façon alimentaire, la façon de se comporter en public. Ouais, je dirais plutôt c'est le côté prestigieux qui change. Ouais. Alors, quelles sont les trois choses qui font une grande partie de la culture française? La nourriture, le fromage, le pain, la baguette. Le côté fashion, ce qui est de la mode. Vraiment français, comment se tenir, comment s'habiller, etc. Et je dirais le rythme de vie, au côté, comme je disais, je veux vraiment vivre à l'extérieur et non pas chez soi. Alors, quel genre de nourriture différente as-tu pu essayer? Aux États-Unis? Je sais pas trop. Je dirais aux États-Unis, c'est tout ce qui est avec le beurre de cacahuète. Mm-hmm. J'ai goûté un hamburger au beurre de cacahuète. Très étrange. Sinon, en France, je dirais tout ce qui est à base de fromage. Le fromage avec tout. Les cuisses de grenouilles, des escargots. Mais ouais, c'est vraiment des repas qui sont plus sophistiqués, des choses qu'on ne fait pas plus que ça dans la vie quotidienne. Ouais, c'est vrai. Alors, une autre question d'apprentissage. What are some tips to better speak with French speakers when I am still just learning? Je dirais de mettre tout ce qui est technologie en français. Donc tout ce qui est téléphone, Facebook, Instagram. Oui, pour vraiment avoir les mots de base et puis se familiariser avec... la connexion, c'est-à-dire voir un peu envoyer, etc. C'est juste se familiariser avec les technologies. Si un jour vous voulez voyager en France aussi, c'est un moyen d'apprendre. Il n'y a rien de mieux que d'aller dans le pays. Ouais. Et puis, regarder des films ou écouter des musiques en français. Alors, est-ce que tu prends des cours? Donc, do you take classes at Miracosta College? Oui, j'ai 18 unités de crédit chaque semestre. Ouais. Donc, j'ai...
C'est beaucoup, mais ouais, 5 classes par semaine. Et alors, une question sur le système éducatif français. Comment est le système éducatif français? Je dirais que c'est plus complexe qu'aux États-Unis. On va avoir plus de classes en même temps. Ça va être sur un système annuel. Donc on va avoir 9 à 10 classes dans l'année qui sont réparties dans la semaine. Donc ça va être plus rédigé, plus de lecture, plus d'analyse. Après, le système américain aussi a ses bons points avec la proximité des professeurs qui sont plus à l'écoute et qui font plus d'efforts pour essayer de maintenir les notes. Est-ce que tu aimes faire de la randonnée? Oui. oui, je fais de la randonnée, j'en fais pas beaucoup, j'ai pas trop le temps, mais je dirais que j'en fais 3-4 par an. Très bien. Et encore ouais, un peu par rapport à la culture, ou peut-être aussi il y avait une question par rapport aux expressions. Mais ouais, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre par rapport à la culture? The question is, I'd like to learn about the culture she's from. On sait pas trop. Peut-être plus spécifique par rapport à la Bretagne. On aime beaucoup les crêpes. On aime beaucoup les crêpes, on aime beaucoup le sel. On mange du beurre salé. Donc on n'a pas le beurre. On met actuellement des cristaux de sel à l'intérieur. On a une langue de régionale aussi qui devient une langue éteinte, mais on a quand même une langue régionale. Et vous faites combien de bises? Deux. Alors, les gens veulent savoir un peu plus sur ta nationalité, tes origines. Alors, je suis française, mes deux parents sont français, mes grands-parents aussi, donc vraiment français. Voilà. Et par rapport à ta musique préférée? Musique préférée, j'aime beaucoup les comédies musicales. Donc je vais écouter beaucoup de musique qui sort de théâtre, de show, des trucs comme ça. Ou la radio. Très classique. Sport passant, on avait parlé un petit peu. Est-ce que tu as rajouté? J'ai testé plein de sports, gymnastique, danse, équitation. Et donc là, tu fais quoi exactement comme études? Je fais des études de business. J'espère transférer à Long Beach pour faire business international. J'espère que je serai prise le semestre prochain. Voilà. Je veux pas. Et par rapport à ta famille? T'as des frères, t'as des sœurs? J'ai 3 demi-frères et une demi-sœur. Voilà. De parents différents. Mais ouais. Famille nombreuse. D'accord. Ouais. Et tes projets, donc tu avais un peu parlé de tes études, tu as d'autres projets niveau travail, niveau je sais pas trop. J'aimerais bien faire du volontariat l'été dans les pays de l'Amérique du Sud pour apprendre l'espagnol un peu plus. Et puis être plus au contact avec une culture que je connais pas. J'ai appris un peu la culture forcément européenne, la culture américaine. J'aimerais bien apprendre la culture sud-américaine. Super ça. Et quelle langue est-ce que tu parles? Je parle français. I speak English. Hablo un poquito de espagnol. C'est un bon accent, hein, Pierre. Merci. Et ouais, est-ce qu'il y a peut-être une expression que tu veux nous apprendre? Apprendre à la classe en ligne. Une expression typique de Bretagne ou je sais pas. Typique, je dirais. Oh, on a beaucoup. Un peu challenging. Ouais, vas-y. Ok. C'est la marmite qui dit au chaudron qu'une aille. Ah, et ça veut dire? Ça veut dire, en gros, c'est si on critique quelqu'un, finalement, faut se regarder dans le miroir, faut regarder soi-même avant de parler sur les autres. Voilà. Petite expression du jour. Elle est bien cette expression, je l'aime bien. Je l'adapte. Ok, super. Merci beaucoup. Bah, je t'en prie, merci. Au revoir. Au revoir.